Seigneur Khalgar, c'était un piège. Peut-être. Est-ce l'Animaterium? Si c'est... Nous devons nous dépêcher. Pour aller où? Nous devons trouver Khalgar. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Marine 2. Et on va aller péter la gueule à Imura. On t'a fini? Bon, on est dans le warp, je crois. Bon, je vous rappelle que dernier épisode, il y a eu la méga baston contre les forces du chaos sur Demetium, la planète. On a découvert une cité Nécron en fait qui était sous la planète. C'est une planète sépulcrale, je vous rappelle. Donc il y avait une cité Nécron en dessous. L'Adeptus Mechanicus faisait des fouilles dans le plus grand secret. Ils ont découvert plein d'artefacts et de carcasses de Nécron. Et ils ont utilisé l'orbe du warp pour essayer d'activer l'une des machines qui pensait censée fermer tous les portails. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que il se faisait manipuler depuis le début par Imura et le prince des secrets pour justement activer la machine qui n'allait pas du tout refermer le portail, c'était tout le contraire qu'ils allaient l'ouvrir. Du coup, il s'est fait heureuse, c'est ça, s'est fait complètement dupé. Du coup, il y a une grosse baston, il y a un gardien des secrets qui est sorti du portail. On a réussi à refermer, à fermer ce portail là. Et à la fin, Imura s'est barré dans le warp, dans le monde immatériel. On l'a suivi parce qu'il y avait chef des ultramarines qui l'a poursuivi et nous on est passé derrière. Donc là on se retrouve, tout est stoppé en fait, on est au ralenti. Donc il faut qu'on retrouve notre maître de chapitre. Le maître des ultramarines. Ah si je fais ça. Attends, ça fait un truc si je fais ça. Non, ça fait rien. Attendez. Ah, je croyais que j'avais plus mon arme. Oh, il est joli ce blindé. Bon bref. C'est quoi, c'est des yeux ça? Eh, c'est des yeux. Oh non! Ah, il se fait avoir. Ah, c'est joli, hein. Bon, je prends vraiment une grosse claque avec ce jeu. Malheureusement, on arrive à la fin bientôt. Putain, c'est trop court. Ah, un chasseur, ça. Ouais, c'est un chasseur qui se fait détruire. C'est pas un... c'est un Thunderhawk qui se fait détruire. J'ai l'impression. Merde, il y a notre. Nos frères, je les entends. Il y a Khalgar, c'est ça? Ne pas à vos sens. Le seigneur Khalgar vous a laissé pourrir dans la Death Watch pendant un siècle, frère Titus. Lâche! Cessez de vous terrer derrière vos illusions. Faites-vous un rempart de votre haine, mes frères. Comment on est revenu? Je discerne de la peur. On est revenu. Justement, c'est Khalgar en personne qui a voulu qu'on revienne. Donc, bon. Je pense qu'il avait pas trop le choix hein, avec l'Inquisition qui nous a embarqué. Je pense que pour le coup, il avait pas trop le choix. J'ai quelle arme? Ah oui, j'ai un bolter lourd, d'accord. Ah, s'il nous donne ce genre. Je pense que s'il nous donne ça, ça va être utile. Non, je vais garder le bolter lourd. On n'a pas des munitions par contre? Là, je commence à être à court. Hein. Y'a pas une caisse de mule. C'est parfait. Non, je préfère le bolter lourd.
Donc Khalgar, j'espère qu'il va s'en sortir. Ah, il est plus protégé. Relâchez-le et nous aurons la clémence de vous achever rapidement. Le relâcher? Après tous vos efforts pour l'amener jusqu'à moi. Fini de jouer. Faites taire cet hérétique. Une toute dernière danse avant que les fils ne soient coupés. On va le buter lui. Ah, attention. Ouf! Ouf là! Ah, les munitions, j'ai vu. Oh, pas les munitions, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Oh, punaise, non, non. Mais... Ah bonjour. Que s'est-il passé? Ce fou a tenté de me retenir. Il a échoué. Oh, il m'a fait mal. Putain, j'ai la tronçonneuse, hein. C'est quoi ça? C'est pas bavarde. Oh punaise! Ouais, ça fera rien. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde! Charge. Et merde, Crony.
qui dépassait leur compréhension. Ils croyaient pouvoir utiliser ombre pour fermer la faille noire. Et nous étions que les architectes ignorants de la destruction de l'humanité. Ouh, peu. Je n'ai pas vécu assez longtemps. Ouais. Et où? Crève saloperie. Ah, fait chier. Heureusement, oh bordel, heureusement j'ai mes alliés qui encaissent. Ça sert à rien de tirer sur lui de toute façon. Oh merde, au moins ça. Oup! Ah, il l'a fait revenir en arrière, bien joué! Nouveau chargeur! Oh mince, oh mince, oh non! Il est où? Il est où? Il est où? Ah! J'y fais. C'est stylé hein. Munition vite. Munition sécurisée. Oh, hop, 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 là. Ah oui, j'ai fait le con. Wow, je vais morfler. Ah, j'ai posé mon pouvoir, c'est vrai que j'ai oublié depuis tout à l'heure. Je vais attendre qu'il réapparaisse. Tiens, mais il a 36 000 pouvoirs lui, c'est pas possible. Ouf. Ouf, ouf. Putain la vache. Allez. Bon, viens là. Je vais te faire la fête moi. Oh oui, t'as pris cher. Oh oui. Oh, je t'ai contré là, tiens. Oh, t'as eu mal ça. Ah, t'as eu mal, hein. T'es où? Voilà. Il va faire son œil là. C'est ça. C'est bon. Oui. C'est tout blanc.
On est encerclés. Fais-en autant que vous pourrez, mes frères. Non, c'est des illusions. Ce ne sont que des imitations. D'autres fourberies. Soyez prudents. Imura s'affaiblit. Ce dernier combat va l'ébranler. Restez groupés. Nous devons trouver la sortie. Je crois qu'il y a, je suis sûr que certains, qu'il y en a certains qui sont pas... C'est pas des illusions. Restez avec moi, restez avec moi. Qu'est-ce qu'on fait si on va là? Attends, il regarde vers où là? Aha! Je m'en doutais, vous voyez? C'est évident. Elle tire sur quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'énergie. C'est peut-être un piège. Soyez vigilants. Ah putain, c'est notre... Bon, j'espère qu'il n'y a pas viré du côté obscur de la force, hein. Seigneur Khalgar, les mots que je vous ai dit sur Thalassar, prononcez-les. Monseigneur, prononcez-les, ou mourrez en imposteur. Les règles ne doivent jamais prendre le pas sur l'intelligence. Titus, heureux de vous revoir. Les pouvoirs du sorcier faiblissent. Il est vulnérable. Voyez comme son domaine s'affaiblit avec lui. Il reste un seul endroit où il pourrait se cacher. Allons débusquer l'hérétique. Oui. Je veux ton armure. Je le vois. Là, dans le flux. Il prépare une nouvelle attaque. C'est l'artefact. Ça ne fait aucun doute. Cet éclat contient un pouvoir presque infini. Alors. Oh l'enfoiré. J'ai pas vu venir. Aïe. T'arrêtes. Eh, tu commences à me soulever. Attendez, il faut que je me prépare parce que à chaque fois je vais pas avoir. Ah, d'accord. La perfection leur tendait les bras, mais ils l'ont gaspillé par pure ignorance. Mais j'ai réussi à le contrer cette fois. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Aïe. Hugo ? Sure.
Debout, fils de Gilliman. Mon frère, c'est fini. Vous avez réussi. Mon frère! Debout, Titus. Votre devoir n'est pas terminé. Pour l'empereur! Trop cool. Trop cool l'affrontement. Oh, il est retourné dans le warp, l'autre là. J'avais peur que soit Khalgar meure, mais je me dis, bon, après c'est un personnage trop important dans le lore, et ils vont jamais le tuer, même dans un jeu vidéo. Ils vont rompre une figurine après. Mais Titus pouvait y passer par contre. Ça aurait été intéressant. Lieutenant Demitrian Titus, vos actions décisives ont sauvé le système de sa perte. Et c'est avec une grande fierté que je vous décerne un honneur digne de vos actes. Les lauriers de la victoire. Puisse chaque guerrier de l'Adeptus Astartes voir qu'ici trône l'incarnation d'un fils de Gilliman. Pour la gloire d'Ultramar! Courage et honneur! Repos, compagnie. Pardon, mon frère, d'avoir mis tant de temps pour vous ramener. Monseigneur, ce... Ma rage n'a fait que croître depuis votre détention. Aveuglé par sa méfiance, l'Inquisition n'a pas su reconnaître la vérité. Aucune perfidie ne surpassera jamais un dévouement tel que le vôtre. Merci, Monseigneur. J'ai une mission pour vous. Vous serez loin de la deuxième compagnie quelque temps. À vos ordres, maître de chapitre. Le frère Chaplin vous expliquera. C'est lui qui vous a recommandé pour cette tâche. Monseigneur, le Sword of Calf est prêt à partir. Merci, capitaine. Mon vaisseau va vous conduire à destination. Je me réjouis de votre compagnie. Titus, cela fut un honneur. Un honneur partagé, mon capitaine. J'ai appris que vous alliez nous quitter. Mais pas trop longtemps, j'espère. Que l'empereur vous guide. Vous aussi, chef. Mes frères, je suis appelé à servir ailleurs. Vous nous manquerez, monseigneur. Je n'oublierai pas le sang qu'on a fait couler ensemble. Nous non plus. Je vous dois beaucoup. Vous m'avez tous les deux redonné foi en la fraternité. Nous attendrons votre retour. Courage et honneur. Courage et honneur. Titus, le seigneur Khalgar vous a parlé de votre mission.
Bien. Je vous expliquerai en chemin. Vous venez avec nous? En effet. Très bien, monseigneur. Vous avez bien agi. Vous avez gagné la confiance de vos frères et celle du maître de chapitre. Mais sachez une chose, Titus. Le soupçon ne s'évanouit jamais complètement. Je vous tiens à l'œil. Si vous fléchissez, ne serait-ce qu'un instant, je n'aurai aucune pitié. Oh la vache! Léandros. Monseigneur, il est temps. T'es en plus de se demander qu'est-ce... mais Léandros est devenu quoi et tout ça? Mais en fait il est devenu chapelier. Un châtelain. Oh là là. J'espère qu'il va être trop... il est pas trop rancunier. Trop classe la flotte. Ah, Léandros quoi. Ah, trop trop cool. Ah, Léandros qui était en fait le chapelier depuis le début. Je comprends maintenant, mais c'est bizarre parce qu'au début il était pas trop méfiant. Et après plus ça allait, il a fait il y a quelque chose qui va pas trop. Et, il m'a dit ouais, j'aurai un œil sur vous. Et ça, après ça m'étonne pas, il était tellement à fond dans le codex, dans le premier opus, que ça soit le chapelain du chapitre, enfin de la deuxième compagnie. Pas étonnant quoi, c'est le mec qui est tellement vertueux. Et du coup ouais, il en démérite pas quoi, c'est marrant, il a pas changé d'avis. Ouais bon alors vous avez peut-être le mérite de tout le monde, mais moi je vous tiens à l'œil. Hein. C'était trop trop bien, le jeu de A à Z, pour moi il y a aucun bémol, genre rien du tout. Le gameplay il est oh là là, petit à petit on prend du plaisir dès qu'on commence à maîtriser les parades et tout ça là. C'est trop trop cool. Et l'histoire est cool. Oh, il est du flou. Hein. Il y a plein de rebondissements, c'est ça qui est bien, c'est bien écrit. C'est cool. Toute la phase avec les tyrannides est trop sympa. Le chaos qui se ramène, forcément. Ils nous font le même coup qu'avec les orques. Profite du chaos. En fait, tout est centré sur cette pierre en fait depuis le début. Et c'est à se demander. Ah oui, ça c'est ça, c'est ça l'esprit ruche. J'ai pas fait encore les missions en coop. Mais aller battre l'esprit ruche ou ça va être bien cool. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ouais, mais je me demande si c'est pas eux justement qui ont peut-être fait en sorte que les tyrannides... ou alors soit ils ont profité que les tyrannides arrivent sur la planète pour foutre le dawa. Ou soit c'est peut-être eux qui même les ont amenés sur place. Hein. Ils ont peut-être fait en sorte de les attirer vers cette planète. Pour justement le bordel soit là. Parce que dans le 1, il y avait l'invasion des orques, mais on apprend qu'en fait... les orques, c'est juste un coup de bol qu'ils arrivent sur la planète et ils ont profité qu'ils soient là pour mettre la main sur le truc du war. Non, c'est très très cool. Et du coup, ça laisse supposer qu'il y aura peut-être un 3, Space Marine 3. Ça serait trop trop bien parce que déjà, là honnêtement, je suis encore sur ma fin. J'aimerais encore avoir 20 heures de gameplay, enfin de jouer, c'est trop trop bien. En train de suivre Titus, mais non très cool, très très cool. Ah, Léandros quoi. Sans la capuche, ça faisait trop bizarre juste le casque qui a un crâne. Je dis mais c'est un Space Marine lui. Très très cool. Bon bah j'espère que ce let's play vous a plu. Il y a eu plus d'épisodes que je le pensais, mais
Ah bah forcément. Je sais. Ouais. Seule la guerre se profile. Donc là ouais, c'est pour jouer en opération tout ça. On peut continuer. J'espère qu'il y avait pas une. Je pense pas qu'il y avait de trucs à la fin, de générique. Mais c'est très très cool. J'ai adoré. Je pense que je vais m'amuser à refaire ce jeu. Le jeu est tellement qualitatif que je pense que je vais prendre un plaisir à le refaire, peut-être en version plus hard. Parce que là j'étais en version normale et même en version normale, il y a des moments qui étaient assez chauds. Ça donne envie de jouer d'autres chapitres aussi, parce que là on est avec Titus, mais j'aimerais trop qu'il fasse d'autres Space Marine, qu'on ait des DLC avec des missions en parallèle de Titus. Bon, on a déjà les missions annexes, mais ouais, des DLC en parallèle, quoi, ça serait cool. A voir, peut-être que le. La fin, c'est peut-être un quelque chose qui va avoir lieu avec une extension qu'on aura. Que ce soit un Space Marine 3, soit une extension. Restez pas trop près du réacteur si ça s'allume. En tout cas, c'était un plaisir. On va cesser là-dessus. Donc ouais, j'espère que cette série vous a plu. Très très cool. Je referai d'autres jeux Warhammer bien sûr, surtout du 40K là vu que je commence vraiment à m'intéresser au lore. Il y a d'autres jeux qui me font de l'œil dans l'univers 40K. Le prochain display arrivera bientôt. Parce que je sais ce que je vais faire. Bon, on va partir sur une autre licence assez culte. J'ai envie de faire depuis un petit moment, donc on le fera. Voilà. Ça ne saurait tarder, je vais essayer de quand même pas trop espacer les let's play. Là je me suis remotivé à relancer la chaîne. Les CAF commence à redescendre. J'espère qu'ils ont réussi à récupérer des rations supplémentaires sur Avrax. Je sens qu'on aura un nouveau secteur ici. Enfin bref, allez sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne semaine, bon week-end, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Allez, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si le jeu vous a plu. Votre avis m'intéresse. Allez, ciao.